Alors, c'est parti. Nous allons voir comme exemple, comme je viens de le dire, la tablature de Seven Nation Army des White Stripes. C'est un morceau assez facile à jouer, dont vous avez la tablature maintenant et que nous allons déchiffrer ensemble. Alors, on ne parlera pas aujourd'hui de rythme, on ne parlera que des cases que l'on n'a pas jouées. Je ne parlerai même pas du doigté, vous utilisez les doigts que vous voulez, vous jouez au médiator ou au doigt si vous voulez, c'est juste pour vous habituer à lire une tablature. Tout le reste, on le travaillera plus tard. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons commencer avec la case 7 sur la cinquième corde, c'est-à-dire la corde de La, qui s'écrit A en notation anglo-saxonne. Je dis toutes les choses comme ça, vous les remémorerez petit à petit. Donc, nous allons la gratter. Ensuite, on a de nouveau un 7 sur la même corde. Donc, on la rejoue. Ensuite, nous avons la case 10, toujours cette même corde, la corde de La. Puis, on rejoue la case 7. Ensuite, on vient jouer la case 10, cette fois-ci sur la corde de Mi grave. Donc, on ne se trompe pas, on change bien de corde. La case 8 sur la corde de Mi grave, puis la case 7 sur la corde de Mi grave. Ah. Si on s'entraîne un peu et qu'on fait ça en rythme, ça va nous faire... Tout bête. La deuxième partie, c'est quasiment la même chose, ça commence pareil. Sur la corde de La, ça fait 7, 7, 10, 7. Puis ensuite, on passe sur la corde de Mi grave. 10, 8, 10, 8, 7. Encore une fois en rythme. Et donc, si on enchaîne les deux, ça groove, hein. De quoi enflammer les soirées. Voilà. J'espère que ce cours sur les tablatures vous aura plu, que vous aurez tout compris, surtout, c'est quand même le but. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à les poser sur le forum de Tabs sur Acoustique. Et ma foi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour un autre cours de guitare passionnant. Ciao !